Ballon capté par le numéro 11, Enzo Dioulou. On sécurise le ballon. Un botté là, qui ne s'est pas rendu au retourneur. Et l'offensive des Gaillards s'amène sur le terrain avec un bon positionnement. Ce sera donc premier essai 10 pour les Bleus. Ballon remis au numéro 7, Redval Keta. Belle course en plein centre. Un gain de 5 à 6 verges. Deuxième essai, 5. Et c'est bon pour un premier jeu! Gaillard! Le ballon porté par le numéro 7 qui gagne beaucoup plus que les verges demandées. Et on en progresse en territoire adverse. Premier essai 10, Jonquière! Et le quart arrière, Olivier Lefebvre, qui conserve le ballon. Il y a une pénalité, un mouchoir en champ arrière. Ça semble être contre les Gaillards. On a retenu du côté de Jonquière. On va reprendre l'essai, diverge plus loin. Ce sera donc premier essai et 20. Ballon remis au numéro 7, Redval Keta. Un gain de quelques verges, deuxième essai est long. Temps mort demandé. Jeu renversé, remis au numéro 87, le receveur William Fortin. Troisième essai, plus de 15 verges à faire. Passe incomplète, quatrième essai. L'unité de beauté de dégagement s'amène sur le terrain. Et pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés lors de l'annonce importante, vous pouvez remarquer trois animateurs de foule qui sont là avec des cartons devant vous. On les utilisera pas tout le temps. On les utilisera pas inutilement, mais quand ils vont vibrer leurs cartons, ça va être des moments stratégiques pour faire un maximum de bruit pour encourager les Gaillards.
Excellente couverture du côté des Gaillards et la défensive s'amène pour la première fois du match juste devant nos estrades. Alors préparez-vous, on va avoir besoin d'un maximum de bruit jusqu'au temps que le ballon lève. On ne veut pas que la foule s'essouffle, le 13e joueur est important. Alors on fait un max de bruit jusqu'au lever du ballon. On va surveiller nos animateurs de foule. Et l'officiel fait le signe de la passe qui est captée. Un gain de 5 verges, deuxième essai 5. Et la foule, elle a été excellente. C'est ça qu'on veut voir tout au long du match. On se fie au signal des animateurs de foule et on fait un max de bruit. C'est capté par le numéro 81 des Cavaliers. C'est bon pour un premier jeu. Alors, on se tape des mains, on recommence. On va entendre un max de bruit! Belle réaction en défensive du côté des Gaillards, le numéro 6, Mathis Sautin, entre autres, au plaqué. Deuxième essai. Alors, on continue de faire sentir notre présence. On encourage les Bleus au signal des animateurs de foule. Et la passe est incomplète! Passe tentée vers le numéro 29 des Cavaliers. Ce sera donc un gros troisième essai. Troisième essai, 5 verges à faire tournant ce match. On a besoin du 13e joueur. On se prépare et on signale les animateurs. On fait du bruit! Passe captée du côté des Cavaliers, c'est bon pour un premier jeu. Bonne réaction défensive, ce sera donc un deuxième essai. Et au signal les animateurs, on va entendre un maximum de bruit. Capté par le numéro 81 des Cavaliers, c'est bon pour un premier jeu.
Et la passe est incomplète. C'était tenté vers le numéro 81 des Cavaliers. Ce sera donc deuxième essai. Et notre défensive est loin. On veut qu'ils vous entendent jusqu'à là-bas, gang. Et on encourage les Gaillards. Excellente couverture de la part des Gaillards, entre autres d'Émile Bouchard qui écrase le tracé. La passe est incomplète, troisième essai 10, un gros troisième essai, ton lance-match, on a besoin de tout le monde. On veut entendre un max de bruit au signal, les animateurs de foule, et on veut l'entendre jusqu'à ce que le ballon lève. Capté par le numéro 3 des Cavaliers pour un toucher. Transformation qui est réussie, la marque 7 à 0. Et l'unité de beauté de réception, de retour de beauté d'envoi s'amène sur le terrain. Entre autres, au retour, le numéro 7 et le numéro 27, Maxime Gérard et Redval Quetta. Et excellent retour du numéro 11, Enzo Dioulou. On y va de la même stratégie là, du côté des Cavaliers. Et le numéro 11 qui réagit bien. Encore un excellent positionnement pour l'offensive des Gaillards qui s'amène pour une deuxième fois sur le terrain. Ballon remis au numéro 2, Samuel Paquette-Louis. Un gros travail de la ligne offensive. Et on gagne de précieuses verges en plein centre. Ce sera donc deuxième essai. Deuxième essai 6. Et c'est bon pour un premier jeu! Lui qui trouve une brèche et qui gagne les précieuses verges demandées. Et excellent travail encore une fois en plein centre de la ligne offensive. Ça joue dur sur les lignes et on gagne. 6 verges sur cette course, deuxième essai 4. What is win?
Ballon remis à Samuel Paquette-Louis, un joueur défensif s'amenait rapidement dans le champ arrière. Ce sera donc troisième essai et quatre verges. Et non, on a une légère perte. Troisième essai et six. Passe incomplète. L'unité de beauté de dégagement des Gaillards s'amène sur le terrain. Beau beauté de Samuel Paquette-Louis, le ballon qui sort en touche. Et la défensive des Gaillards qui s'amène à nouveau sur le terrain, tout juste devant nos estrades. Alors, même plan de match que tout à l'heure, on veut entendre un maximum de bruit au signal de nos animateurs de foule. Première course du côté des Cavaliers aujourd'hui. Un gain de 5 à 6 verges. Deuxième essai. Et on encourage la défensive des Gaillards! Ballon remis à Samuel Paquette-Louis. Peu de gain sur ce jeu. Deuxième essai, les buts. Donc, troisième essai et les buts. Thank you.
Et la transformation est réussie. Les Gaillards créent l'égalité. La marque est maintenant de 7-7 à faire avec 5 minutes 19 à faire au premier quart. Et je tiens à souligner l'excellent travail de notre 13e joueur, la foule, et de nos trois animateurs. On peut s'applaudir, on peut faire du bruit. Vous encouragez très bien nos Gaillards. C'est très agréable de vous voir aller aujourd'hui. Excellente couverture de la part du botté d'envoi des Gaillards. On y allait avec un retour du côté fort du terrain. Et les Bleus étaient présents. Et comme vous pouvez le remarquer, la défensive s'amène pour une troisième fois devant nos estrades. Alors on va avoir besoin du 13e joueur et d'un maximum de bruit. On surveille nos animateurs et on encourage les Bleus abondamment. On fait du bruit jusqu'à ce que le ballon lève. Come on! Excellente couverture de la défensive des Gaillards. Le joueur des Cavaliers n'a nulle part où aller. Ce sera donc le deuxième essai. On va avoir besoin de tout le monde au niveau du 13e joueur. Préparez-vous à taper les pieds avec un maximum de bruit au signal des animateurs de foule. Il y a un mouchoir devant le banc des Gaillards. Et la pénalité contre les Cavaliers. On me dit à l'oreille que c'est parce que notre foule est trop bruyante. Let's go! Pénalité sur le jeu. Et la pénalité contre les Cavaliers. On va reculer le positionnement du ballon. Et on va se préparer à encourager au signal de nos animateurs. On va encourager les Bleus. On va encourager nos Gaillards. Attendez de voir les pancartes levées.
pression était très forte au niveau du moteur qui n'a pas pu s'exécuter comme il aurait voulu. Et l'offensive des Gaillards s'amène avec un excellent positionnement encore une fois sur le terrain. Ballon remis au numéro 2, Samuel Paquette-Louis qui gagne quelques verges. Ce sera donc un deuxième essai. Aucun mouchoir sur le terrain. S'abat sur le terrain et attendons voir la décision des officiels et la pénalité. Et oui, la pénalité contre les Cavaliers. On avance le ballon de 5 verges et on recommence. Par le numéro 2, Samuel Paquette-Louis. Un ballon qui passe beaucoup de temps dans les airs pour laisser la couverture se déployer. Et les Gaillards qui effectuent le plaqué. Et encore une fois, notre défensive qui s'amène juste devant nos estrades. Préparez-vous à faire un maximum de bruit. On va avoir besoin du 13e joueur.
Et on encourage les gaillards! Et la pression était très forte, la passe est incomplète, deuxième essai 10. Et on fait un maximum de bruit, on encourage la défense. Et la pression était très forte encore une fois. Troisième essai, 10, un grand troisième essai. Tout dans ce premier quart. Le 13e joueur, on se prépare, on va avoir besoin de vous. Et on fait un maximum de bruit, on encourage la défensive jusqu'à ce que le ballon ait un bout du bruit. Excellent travail du numéro 9, Ulysse de la Porte, qui flaire la stratégie, qui effectue plaqué, en plus de faire perdre des dommages, quatrième essai est long. Encore une fois, un excellent travail de notre 13e joueur, la foule est en feu aujourd'hui. Au retour, le numéro 27, Maxime Girard, qui évite quelques joueurs et qui gagne de précieuses verges. Aucune pénalité sur le jeu, c'est ce qui met fin au premier quart. On va inverser les deux équipes et poursuivre. La marque est toujours de 14 à 7 à faire pour les Gaillards, avec 3 quarts à faire au match. La stratégie semble avoir fonctionné du côté des Bleus. On a bougé trop vite du côté des Cavaliers. On va avancer le ballon et reprendre le premier jeu. Premier des cinq à faire pour les Gaillards. Belle réaction du côté du camp arrière. Olivier Lefebvre qui voit la brèche en plein centre. Et c'est bon pour un premier jeu!
Excellente course en plein centre du numéro 2, Samuel Paquette-Louis, qui évite quelques joueurs, qui profite de bon bloc et qui se rapproche drôlement d'un premier jeu. Deuxième essai, une verge à faire. Et c'est bon pour le premier jeu. Ballon remis au numéro 2, Samuel Paquette-Louis. Une belle couverture en défensive. Deuxième essai. Un gain de deux verges. Deuxième essai, 8. Ballon à nouveau porté par le numéro 2, Samuel Paquette-Louis. Ce sera donc troisième essai, 5 verges à faire. Bouger trop vite du côté des Gaillards. On va reculer le ballon de 5 verges et reprendre l'essai. Ce sera donc troisième essai, 10. Et 9, et 10, et 9. Ballon porté par le numéro 36 des Gaillards, Tom Druet. Aucun gain sur ce jeu, il y a un mouchoir dans le champ arrière. On a retenu du côté de Jonquière, on va reculer le ballon diverge et reprendre l'essai. Ce sera donc le premier essai, 20. Passe tentée vers le numéro 13, Émile Duceppe. C'est incomplet, deuxième essai, 20. Passe captée par le numéro 11, Enzo Diulu, qui gagne
11 verges. Ce sera donc le troisième essai 9 à faire pour les Gaillards. Intercepté par les cavaliers. Et la défensive des Gaillards qui s'amène sur le terrain avec un bon positionnement. Il va falloir se faire entendre jusqu'à là-bas. On veut du bruit, on les encourage! Et la passe est incomplète. C'est donc un deuxième essai 10 à faire pour St-Lambert. On encourage la défensive! On a bougé trop vite du côté des Gaillards. On va positionner le ballon 5 verges plus loin. Ce sera donc un deuxième essai 5 à faire pour les Cavaliers. C'est capté, premier jeu St-Lambert. Passe est incomplète, deuxième essai 10. On se prépare le 13e joueur, on a besoin de vous, on va se réchauffer, on encourage la défensive! C'est capté par le numéro 81 des Cavaliers. Ce sera donc troisième essai, 5 en gros, troisième essai. On se prépare le 13e joueur. On signale les animateurs de full affaire, maximum de bruit. Avec la progression, c'est bon pour un premier jeu du côté des Cavaliers. Falling in love with me, possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me.
Passe captée par le numéro 81. Bonne réaction en défensive. Ce sera donc deuxième essai. Et on m'indique que c'est le last call pour le moitié-moitié. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de se procurer le moitié-moitié, vous pouvez vous présenter à l'entrée du stade. Et on encourage la défensive! Et ça s'est failli peu, le numéro 33 d'Éric Martel, qui a presque effectué une interception. Ce sera donc un gros troisième essai, avec 9 minutes 21 à faire au deuxième quart. On se prépare, la foule de Jonquière, à faire un max de bruit au signal des animateurs de foule. On veut un maximum de bruit jusqu'à ce que le ballon lève. Let's go! Passe à nouveau captée par le numéro 81. Zachary Cloutier, c'est bon pour un premier jeu du côté des Cavaliers. Et la défensive a le besoin de votre présence. Là, on encourage nos jeunes, on encourage nos gaillards! Et on y tente par la course du côté de St-Lambert et le front défensif des Gaillards est solide. Ce sera donc deuxième essai. Perte d'une verge sur le jeu, deuxième essai et 11. Et on se prépare, on veut entendre du bruit, on encourage nos Gaillards, on encourage nos Bleus, let's go, on fait du bruit! Passe capté par le numéro 81 des Cavaliers. Ce sera tout près du premier jeu. Troisième essai et une verge à faire. Zachary Cloutier qui multiplie les attrapés. Et on encourage la défensive. On a un maximum de bruit. Passe captée par le numéro 15. C'est bon pour un premier jeu. Noah Sassi pour la réception. Premier essai, 10 Cavaliers. Le 13e joueur, on a besoin de vous. Il faut encourager nos gaillards. On fait un maximum de bruit pour les Bleus. Let's go! La passe est incomplète. Passe tentée vers le numéro 81, Zachary Cloutier. Ce sera donc troisième essai, un gros troisième essai. On a besoin de tout le monde. Au signal de nos animateurs de foule, on attend que les pancartes soient élevées dans les airs. Et on encourage la défensive!
Excellente réaction en défensive. On foire bien la stratégie du côté des cavaliers. Et on effectue un plaqué et on fait perdre des verges. Excellent travail de la défensive des Gaillards et tout porte à croire que l'unité de côté de placement des cavaliers s'amène sur le terrain. Peu importe la stratégie, on va avoir besoin du 13e joueur. On veut entendre un maximum de bruit. On encourage les Gaillards! Et le placement est réussi, les cavaliers qui ajoutent 3 points. La marque est maintenant de 14 à 10 pour les Gaillards. Reporting live from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. It was O's and O's. They count it always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked. Cause she see me in a suit with a red tie tied up. Big thing, it's nice to meet you. But time is money. Only difference is I own it. Now, let's stop time and enjoy this moment. Whoa. Le ballon qui sort en touche, c'est donc une infraction au niveau du football. L'offensive des Gaillards s'amènera sur le terrain avec un excellent positionnement. J'en profite pour remercier des précieux partenaires, l'imprimeur Broad Promotion, l'Association générale des étudiantes et étudiants du cégep de Jonquière, ville de Saguenay, les Caisses des Jardins, IGA Saint-Hubert, la Fondation Asselin du cégep de Jonquière, ainsi que M. Sylvain Godreau, député de Jonquière à l'Assemblée nationale du Québec pour le Parti québécois. Le ballon est remis au numéro 7, Redval Kétal. Il y a une pénalité pour avoir retenu du côté des Gaillards. Tout porte à croire qu'on reprendra le premier jeu 10 verges plus loin. Ce sera donc premier essai 20. Et très belle course du numéro 7, Redval Keta, qui se défait d'un plaqué tôt dans la séquence et qui gagne 9 verges. Deuxième essai, out! Ballon à nouveau remis au numéro 7, Redval Keta, qui gagne près de 5 verges. Ce sera donc troisième essai 6 pour les Gaillards. Defense!
On juge que la passe était vers l'avant. Elle est donc incomplète. Quatrième essai 6. L'unité de beauté dégagement des Gaillards s'amène sur le terrain. L'exécution du côté de Jonquière, un beau beauté, une belle couverture et la défensive qui s'amène sur le terrain. 4 minutes 8 à faire au deuxième quart. La marque est toujours de 14 à 10 en faveur des Gaillards. On encourage la défensive. Let's go! Essaye 4 à faire pour les Cavaliers. L'offensive s'aligne, on veut entendre un maximum de bruit, on encourage notre défensive. Et la passe est incomplète, ce sera donc un troisième essai 4, un gros troisième essai. Et au signal de nos animateurs de foule, on se prépare quand on a besoin de tout le monde. On veut vous entendre avec vos trompettes, on tape des pieds, on crie, on fait n'importe quoi. On veut entendre un max de bruit. On signale les animateurs, on se prépare. L'offensive s'aligne, on encourage la défensive. Et on demande un temps mort du côté des Cavaliers. Pour mon âge, c'est que c'est dans ma rage, j'ai prié dans ma cage. Hey! Vas-y, ouvre le champagne. Henri, vas-y, ouvre le champagne. Disons que c'est la vie qui nous gâte pour avoir trop de fois voulu nous briser les pattes. Et c'est bien, c'est la preuve qu'on avance, qu'on amasse les récompenses, pensant à voir demain. Qu'on est fiers du passé, mais qu'on vit pour l'avenir, en n'oubliant jamais tout. On vient pouvoir aider le pauvre, c'est devoir être riche. Si t'as rien, tu me peux tendre la main. Merci pour ces 10 ans. Et on se prépare le 13e joueur, on continue notre bon travail. On veut entendre un maximum de bruit, on encourage les gars. Passe captée du côté des Cavaliers, c'est bon pour un premier jeu. Miss Jimmy wanna see everybody on move. Dance all in up, got a man coming at you. We just want big up QTB, Bob Sinclair, it's a dance to you. Passe captée par le numéro 81, Zachary Cloutier. Il y a un mouchoir en fin de séquence. Mmh.
Au plaqué, le numéro 33, Derek Martel. Excellente réaction. Un gain dans une verge sur ce jeu. Deuxième essai, 9. Et nos gaillards sont juste devant nos estrades. On a besoin du 13e joueur. On surveille nos animateurs et on veut entendre un maximum de bruit. Let's go! Et la pression était très forte. La couverture devait être excellente parce que le corps arrière n'a pas pu décocher. Il y a une pénalité en fin de séquence. Attendons voir la décision des officiels. Malheureusement, la pénalité contre les Gaillards. Ce sera donc un premier jeu pour les Cavaliers. Ceux qui n'avaient pas remarqué, à l'entrée du stade, sur la rue, on a des étudiants du cégep de Jonquière, gestion de commerce, troisième année, qui font un projet là, de fin de deck et qui ont des tentes qui sont là, ils font de l'animation, ils ont des cafés, des muffins gratuits à donner. Et c'est pour aussi leur projet rattaché à les causes, la cause du cancer au niveau de... Et la passe est incomplète et l'organisme au niveau du cancer, c'est Fjord Dulac. Et au niveau de la santé mentale aussi, il travaille au niveau de deux causes aujourd'hui, c'est la fondation en équilibre. Donc les étudiants vous invitent à la mi-temps, allez vous réchauffer, café, muffin, gratuit, en clin d'œil pour les deux causes. Passe captée par le numéro 15, Noah Sassi. Ce sera tout près du premier jeu, mais ça sera insuffisant, je crois. Troisième essai, gros troisième essai. On va entendre un maximum de bruit de la foule de Jonquière. On encourage les Gaillards jusqu'au jeu. On fait du bruit. Et la passe est incomplète! Ce sera donc le quatrième essai pour les Cavaliers. Les joueurs s'amènent sur le terrain. Ça semble être l'unité de beauté de placement. Quatrième essai, trois verges, 1 minute 42 à faire au deuxième quart. Une chose qui est sûre, c'est qu'on surveille nos animateurs de foule. Et on se prépare à faire un max de bruit. Alors, signal! Et le beauté est raté, mais il y a un mouchoir sur le terrain. Attendons voir... Qu'est-ce que les officiels ont aperçu? Ça semble être contre les Gaillards. Pénalité contre les Gaillards, ce qui donne un premier jeu aux Cavaliers, tout près de la zone des buts.
lean and flex. Yeah. Tell them, say, you are the best. Yeah. You look better. What? You look better. What? Show them the move. Et on se prépare, on encourage les Bleus, on encourage, on fait du bruit pour la défensive! Et la transformation est réussie. La marque est maintenant de 17 à 14 en faveur des Cavaliers. Au retour, le numéro 7, le porteur de ballon, Redval Keita. Avance le ballon au 35. Et l'offensive des Gaillards s'amène sur le terrain. D'antisportif contre les Gaillards. On recule le ballon. On recule au 26. Ballon remis au numéro 2, Samuel Paquette-Louis, court gain sur ce jeu, deuxième essai. Passe captée par le numéro 4, Matteo Colon. Ça semble être suffisant. Et les officiels font le signal au chaîneur. C'est bon pour un premier jeu, Gaillard! Passe captée par le numéro 88 des Gaillards et le recevant, le vétéran Cédric Claude. Et c'est bon pour un premier jeu, Gaillard! À se tenter vers le numéro 4, Matteo Colon. C'est incomplet. Deuxième essai 10.
34 secondes à faire au deuxième quart. Dans le champ arrière des gaillards, on semble avoir bloqué par derrière. Le positionnement du ballon. Troisième essai. On y va sécuritairement du côté des gaillards. On y va au sol avec Samuel Paquette-Louis. Quatrième essai long. Et on écoulait les dernières secondes du deuxième quart du côté des gaillards. On demande un temps d'arrêt. Il reste 1,3 secondes à faire. Ce qui mettra fin au deuxième quart, 17-14. La marque pour les cavaliers. Can't shake the soap.
Et notre troisième quart débutera à l'instant. Les cavaliers recevront le poté d'envoi. On y va avec une tentative de poté court du côté des Gaillards. Le numéro 15 des cavaliers qui récupère le ballon. Ce sera donc un premier essai 10. Et la défensive qui s'amène encore une fois devant nos estrades. La stratégie reste la même, on surveille nos animateurs de foule. Et la passe qui est rabattue. Il y a des mouchoirs sur le jeu, attendons voir la décision des officiels. Pénalité contre les Gaillards. Ce sera donc un premier jeu au point d'infraction. Et on se prépare, on le sait, quand la défensive est sur le terrain, on veut entendre un maximum de bruit jusqu'à ce que le ballon lève. Et au signal, les animateurs de foule, on se prépare, on encourage la défensive! Et on y va au sol du côté des cavaliers. La réaction du front défensif des Gaillards est impeccable. Aucun gain sur le jeu. Ce sera donc un deuxième essai. Et on se prépare le 13e joueur. On encourage les Bleus. Capté par le numéro 81, Zachary Cloutier. C'est bon pour un premier jeu du côté des cavaliers. On stoppe les conneries là. Mais comment tu parles à ma sœur? J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie.
ballon porté par le numéro 7, Red Valqueta, le porteur de ballon. Bon gain sur ce jeu. On manque de gaz, on couche dehors, on finit tous télé le bord. On veut juste le meilleur, du pire et pour le reste. Un gain de 9 verges, deuxième essai, une. Et c'est bon pour un premier jeu Excellente réaction du corps arrière, le numéro 8, Olivier Lefebvre. Gagne de très bonnes verges qui profite d'excellents blocs. Et profitons-en pour remercier nos partenaires Quentin Gagnon Assurance, Tanguay, La Voix Maltais, Roddy Resto Pizzeria, le Delta Saguenay Hotel et Centre de Congrès, ainsi que Coca-Cola. Au lieu d'avoir le cœur à l'ouvrage, couché de bonheur, puis rester sage, on chante trop fort, on se trompe d'accord, assez pour réveiller les morts. On chante 3-30 sous pour une vie à 100 pénobles, puis la paperasse, on prend notre temps, tourne les coins ronds, on espère que le bon Dieu soit bon. On fait ça à la bonne franquette, on flash à gauche, on tourne. Comme des animaux, notre orgueil noyé au rivage, notre dignité qui prend le large. On fait jamais rien comme il faut, on fait de notre mieux, il faut ce qu'il faut pour qu'on puisse continuer d'y croire, pour le plaisir et non la gloire. On fait ça à la demandé. Et l'offensive des Gaillards est propulsée tout près du centre du terrain. Alors 50, premier essai 10. Passe incomplète, deuxième essai 10. Passe tentée vers le vétéran, le joueur français, le numéro 4, Matteo Colon. Yeah!
Jonquière qui inscrit le major. La passe provenait du bras du numéro 8, le corps arrière, Olivier Lefebvre. Et la transformation qui est réussie, la marque est maintenant de 21-17 en faveur des du côté des Gaillards. Et la défensive qui s'amène sur le terrain tout juste devant nos estrades. On se prépare le 13e joueur. On a tout un match de série aujourd'hui pour nous. Et on se prépare à faire un max de bruit. On surveille nos animateurs comme vous le faites si bien depuis le début du match. Quand ils vont lever leur pancarte, on veut entendre un max de bruit. On sort les trompettes, là. Passe captée par le numéro 3 des Cavaliers. Michael Fafard. Deuxième essai, trois verges. Gros deuxième essai, on se prépare, on surveille nos animateurs. On encourage... Et la passe est incomplète. Ce sera donc le troisième essai d'un verge. Un gros troisième essai tourne dans ce troisième quart. On a besoin de tout le monde. On se prépare. C'est capté, c'est bon pour un premier jeu du côté des Cavaliers. Ça donc un premier essai 10. Et on se prépare, on veut une foule déchaînée au signal des animateurs.
Ballon remis au numéro 7 en plein centre, le porteur de ballon est Valqueta. Il y a un mouchoir sur le jeu. Deux blessés aussi. Qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, et dit famille, dit tiers-monde. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sur de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Pénalité du côté des Gaillards, une pénalité de 15 verges. De 10 verges, pardonnez-moi. Car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben il y en a encore. Et ça, c'est tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais si ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles. Et là, tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Ballon remis au numéro 7, Redval Keta, qui gagne près de 4 verges. 3-4 verges. Deuxième essai. Deuxième essai, 17. Capté par le numéro 13, Émile Ducette. Et on semble l'avoir frappé à la tête. Attendons voir la décision des officiels. Et oui, pénalité contre les Cavaliers pour usage abusif du casque. On va frapper à la tête et on se rapproche dangereusement de la zone des buts. Premier essai, 10, Gaillard! Ballon porté par le numéro 2, Samuel Paquette-Louis. On gagne des verges vers l'avant et on se rapproche. Deuxième essai. Un gain de 3 verges. Ballon porté en plein centre. Le numéro 7, Redval Keta, qui profite de plusieurs bons blocs. Et on pousse la pile vers l'avant. On se rapproche encore une fois. Troisième essai.
Et on y va avec le numéro 4, Matteo Colomb, le deuxième corps arrière, le receveur. Ce sera insuffisant pour atteindre la zone des buts. Quatrième essai. Temps mort demandé. Et la défensive des Cavaliers qui stoppe la dernière tentative des Gaillards. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le positionnement du ballon est à l'avantage des Gaillards. La défensive qui s'amène encore une fois devant nos estrades. Et là, ce qu'il faut, c'est empêcher la progression des Cavaliers. On a besoin du 13e joueur. On se prépare à faire du bruit. On sort l'arsenal. On surveille nos animateurs de foule, on veut vous entendre au signal des animateurs. Très bonne réaction du côté de la défensive. Ce sera donc deuxième essai profondément en territoire des Cavaliers. On prépare les trompettes, on prépare à taper du pied sur les estrades. Tout ce qui peut faire du bruit, on le fait. Let's go, on encourage la défensive! Au troisième. Et on semble avoir arrêté la tentative. Attendons voir la décision des officiels. Et on indique que c'est un quatrième essai du côté des Cavaliers. Et est-ce qu'ils vont y aller le tout pour le tout? Là, on a besoin de tout le monde, on va avoir besoin de bruit, on se prépare, gang! C'est un gros jeu, ça! Allez, on va entendre un max de bruit jusqu'au temps que le ballon lève, let's go!
Oh, ok. Temps mort demandé. Chrono. Aligne tranquillement sur le terrain et on se prépare le 13e joueur. Un gros quatrième essai. On veut vous entendre. Let's go! Et les cavaliers qui ont gain de cause, qui convertissent le quatrième essai, sont encore profondément dans leur territoire, toujours devant nos estrades. Et on continue d'être en feu. Et la passe est incomplète! Deuxième essai 10! Et la pression était très forte du côté des Gaillards. Aucun mouchoir sur le terrain. La passe est incomplète. Troisième essai 10. Let's go, j'aime ça, on fait du bruit. Sur le terrain. Et laissez-moi vous dire que le 13e joueur fait sentir sa présence. Numéro 27, Maxime Girard. Et l'offensive des Gaillards qui s'amène sur le terrain, déjà dans le territoire des Cavaliers.
au 49 en territoire adverse. Premier essai 10 pour le Gaillard. Ballon porté par le numéro 7, Redval Keta. Un gain d'environ 2 à 3 verges. On demande la... You thinking, but I hope you thinking what I'm thinking with your show head bobbling. Don't knock on doors, but Jehovah's my witness. And I treat sex like a physical fitness. Up and down like the stock market. Now, baby, let me give you the business. Cara linda, pecho hecho. Ay, que rica, ale chica. Pelo lacio, mira eso. Dale loca, dame un beso. Ballon remis au numéro 2, Samuel Paquette-Louis. Court gain sur ce jeu, ce sera donc troisième essai, 7 verges. De hors-jeu contre les Gaillards. On recule le 5 verges, on reprend le troisième essai. Passe incomplète, ce sera donc quatrième essai, 11 à faire, l'unité de beauté dégagement qui s'amène sur le terrain. Like
L'offensive des cavaliers s'amène sur le terrain. Et on se prépare, les partisans des gaillards, à faire du bruit. On va faire un match extrêmement serré aujourd'hui. Le signe de passe incomplète. Ce sera donc deuxième essai 10. La pression était très forte du côté des gaillards. Et on surveille nos animateurs, on a besoin de vous. Côté des cavaliers, c'est bon pour le majeur. Transformation réussie, la marque est maintenant de 24-21 en faveur des cavaliers. Enzo Diouro. Une pénalité d'antisportif contre les cavaliers. On avance le ballon en plein centre du terrain. Et les gaillards... Premier et 10, Gaillard. Ballon porté par le numéro 2, Samuel Paquette-Louis, qui trouve une brèche en plein centre. Ce sera bon pour un gain de 9 verges environ. Ce sera tout près du premier jeu. Deuxième essai. Thank you.
passe incomplète. Ce sera donc un troisième essai. Et c'est bon pour un premier jeu gagnant! Le numéro 2, Samuel Paquet-Louis, qui finit le troisième quart en beauté avec un premier jeu. Remercions nos commanditaires, l'imprimeur Bravo, Broad Promo Chic, l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Jonquière, la Ville de Saguenay, les Caisses des Jardins, IGA Saint-Hubert, la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière, ainsi que M. Sylvain Godreau, député de Jonquière à l'Assemblée nationale du Québec, pour le Parti québécois. Merci beaucoup. Ballon porté en plein centre par Samuel Paquet-Louis qui profite d'un rouleau compresseur. Il y a des pénalités des mouchoirs sur le jeu pour avoir retenu du côté des Gaillards. Premier essai et 20 verges à faire pour l'offensive des Gaillards. Ballon porté par Samuel Paquet-Louis. Un gain de 5 verges, deuxième essai 15. Tenté vers le numéro 11, Enzo Dioulou, c'est incomplet. Quatrième essai 15. Les Gaillards devront dégager. Malheureusement pour les Gaillards, le ballon frappe un joueur dans le champ arrière lors de l'exécution. Bonne réaction de Paquet-Louis qui court, gagne quelques verges et on échange la possession. L'offensive des Cavaliers s'amène sur le terrain.
sauvage défensive. Et la pression était très forte sur le corps arrière des cavaliers. Ce sera bon pour un sac du corps. Perte de 3 verges sur ce jeu. Deuxième essai, 13. Et on veut faire entendre le 13e joueur jusqu'à nos gilets bleus. On se prépare au signal des animateurs. On encourage la défensive. On lâche pas. C'est pas fini ce game-là. La passe est incomplète. Ce sera donc un troisième essai. Plus de 10 verges à faire. Gros troisième essai. On surveille nos animateurs de foule. Alors, signal, on fait du bruit. La passe est presque interceptée. Ce sera quand même un quatrième essai. Plus de 10 verges à faire. L'unité de beauté de dégagement des cavaliers s'amène sur le terrain. Il y a une pénalité sur le jeu. Attendons voir la décision des officiels. Au retour, le numéro 27, Maxime Girard. Solide plaqué du côté des cavaliers. Pénalité qui est déclinée. Et l'offensive des Gaillards qui s'amène sur le terrain, tout près du centre. En plein centre du côté des Gaillards. On gagne quelques verges. Gros travail de la ligne offensive. Deuxième essai 7. Passe tentée vers le numéro 2, Samuel Paquette-Louis. C'est incomplet, troisième essai. Cédric Plourde qui
sort ses mains magiques et c'est bon pour un premier jeu! Et on a bougé trop vite de l'un des deux côtés. Attendons voir la décision finale. Ça semble être contre les Gaillards. On va reculer de 5 verges, premier essai 15. Samuel Paquette-Louis en plein centre, la pile tombe par en avant et on semble avoir agrippé le protecteur facial. Attendons voir la décision des officiels, il y a un blessé du côté des cavaliers. De 15 verges contre les cavaliers. C'est bon pour un premier jeu! Porté par le carrière le numéro 4, Matteo Colon, le deuxième carrière. Il y a un mouchoir sur le terrain. Attendons voir. Ça semble. Ce serait une
une pénalité de 5 verges contre les Gaillards. On va reprendre le premier essai. Ce sera donc le premier essai 15. Un gain d'environ 4 verges. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Ballon porté par le numéro 2, Samuel Paquet-Louis. Peu de gain sur ce jeu, troisième essai. Passe captée par le numéro 11, Enzo Diulu. Quatrième essai. Ce sera insuffisant pour le premier jeu. Quatrième essai, 4 verges environ. Et des joueurs s'amènent sur le terrain. Tout porte à croire que c'est l'unité de beauté de placement. Qui décide de reprendre le ballon au 35, alors la défensive s'aligne. Le 13e joueur n'a pas besoin de vous expliquer que votre bruit est plus qu'important en ce moment. On se prépare, on surveille les animateurs. Et la passe est incomplète. Ce sera donc un deuxième essai 10. On sort tout ce qu'on a de plus bruyant, gang. On se prépare, là, les trompettes, c'est le temps, là. Let's go! Premier jeu, cavalier. Thank you.
On continue de se faire entendre. On se prépare. Et la passe est incomplète. Très bonne réaction du liste de la porte, le numéro 9 des Gaillards. Ce sera donc un deuxième essai 10. Grosse séquence, on se prépare, gang. Ce sera donc un troisième essai 10. Gros troisième essai, 6-40 à faire au quatrième quart. On se prépare le 13e joueur. On va avoir besoin de vous autres là-dessus. Passe complétée du côté des Cavaliers. Le numéro 15 à la réception, Noah Sassi. Cette séquence-là n'est pas terminée. On est juste devant nos estrades, le 13e joueur. On se prépare. On encourage la défensive. Transformation réussie, la marque est maintenant de 31 à 24 en faveur des Cavaliers. Au retour, numéro 4, Matteo Colomb. Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro!
Ballon porté par le numéro 7, Redval Keta. Bon gain sur ce jeu. Deuxième essai, Gaillard. Deuxième essai, 3. La défensive qui s'amène avec un excellent positionnement sur le terrain. Et là, notre défi, la foule de Jonquière, c'est de vous faire entendre jusque là-bas. Parce qu'avec 5 minutes à faire, on a tout un match. On a besoin de vous, les joueurs ont besoin de vous. Ils veulent vous entendre. Je veux passer ma vie, jour après jour, à me dans tout mon monde. On a bougé trop vite du côté des Gaillards. On va avancer le ballon de 5 verges. Ce serait donc le premier essai 5 à faire pour les Cavaliers. Et les joueurs ont besoin de vous. Vos joueurs veulent vous entendre. Let's go, on fait du bruit pour la défensive. Passe captée par le numéro 15 des Cavaliers, c'est bon pour un premier jeu. Noah Sassi. Et on se prépare, gang, on regarde nos animateurs de foule, on se prépare. Les joueurs ont besoin de vous. Avec une course au sol du côté des Cavaliers, gain d'une verge, peut-être deux verges. Deuxième essai. Deuxième essai, 8. Et la passe
était très fort dans le champ arrière. Grand troisième essai, on se prépare tout le monde. Let's go. Les cavaliers devront dégager. 3 minutes pour faire un match 31-31, la marque, la foule est en feu. Tout un après-midi. Au retour, le numéro 27, Maxime Girard, et pénalité. Un foulard là, près du bâtard qui a été lancé par les officiels. Pénalité contre les cavaliers, c'est décliné. Et l'offensive qui s'amène avec un excellent positionnement. 2 minutes 37 à faire au match. Le temps mort des 3 minutes est appelé. Et on sait que les 3 dernières minutes du 2e et 4e quart sont chronométrées différemment, ce qui laisse beaucoup de temps à l'offensive des Gaillards. Ballon porté par le numéro 7 des Gaillards, Redval Keta. Aucun gain sur ce jeu. Deuxième essai. Capté par le numéro 87, William Fortin. C'est bon pour un premier jeu! Gaillard! Hey, c'est bon, tout. Excellent travail de l'année offensive des Gaillards. On pousse la pile et on gagne beaucoup de verges après l'impact. Ce sera tout près du premier jeu, deuxième essai. Thank you.
Et c'est bon pour un premier jeu! Gaillard! Red Bull qui est en ballon, qui gagne les marges. Ce sera donc le premier essai de 6 à faire pour les locaux. On m'a demandé 1 minute 30 à faire au match. Porté par le numéro 7, Redval Keta. Gagne quelques verres, ce sera donc un deuxième essai. Deuxième essai 7. Quel 13e joueur est important. La partie n'est pas terminée. Les cavaliers vont reprendre le ballon. Va falloir être bruyant. Va falloir faire sentir notre présence. Encouragez vos jeunes. Encouragez vos gaillards. On se gêne pas. On fait du bruit pour les gaillards. Couverture de Pornay Bleu, 55 secondes à faire, gang! Je t'y prends la foule! Je t'y prends à faire du bruit pour les bleus! On surveille nos animateurs de foule, gang! Ça a été incroyable aujourd'hui! Mais c'est pas terminé!
tête du chrono. On encourage la défensive. La pression était très forte, il y a un mouchoir dans le champ arrière. C'est pour avoir retenu du côté les cavaliers. La pénalité qui est déclinée, deuxième essai, 15-50 secondes à faire. On se prépare, on surveille nos animateurs de foule. Pénalité contre les Gaillards. On amène le ballon au point d'infraction. Non. On avance le ballon. Premier essai et 10. 30 secondes à faire. Oh, let's go defense. Let's go. Match incroyable, les cavaliers qui répliquent. Together, baby.
Et la passe est rabattue. Les cavaliers qui allaient pour la victoire. Et ce n'est pas réussi, la marque 38-37 avec 18 secondes à faire. Quel jeu défensif du côté des Gaillards. On fait du bruit pour les Bleus. On y allait avec un bâté court. C'était à prévoir du côté des cavaliers. C'est raté. Les Gaillards s'amènent sur le terrain avec la possession du ballon. Pénalité déclinée. Premier jeu, Gaillard. Et je pense qu'on peut applaudir la foule, notre 13e jour aujourd'hui. Vous avez été incroyable, gang! Écouler les secondes. La musique. Et c'est ce qui m'a fait un match. Et on les applaudit, on les félicite. Félicitez vos jeunes. Mais quel match, on peut applaudir les deux équipes. Romain, on a vu un match aussi en bas, ici sur ce stade. Un grand merci à nos trois animateurs de foule.